Je suis trop vieux pour ça. Maudits soient ces humains. Ils sont encore en train d'attaquer les mines royales. Chevalier de la table carrée, défendez nos bijoux de famille. Nous devons vaincre les soldats de Sir Georges. Bédadaz, établissez un périmètre de défense. Brunièvre, au rapport sur la puissance des troupes. Brasier, vous et moi attaquons en formation Delta Tango Orange. Ou mieux encore, fonçons la tête la première et cramons tous ces corneaux. Pour Camelot. Qui ça? L'attaque n'a pas été un échec total, Sir George. Nous avons effectivement perdu 1000 chevaliers, mais nous nous sommes au moins emparés de ce diamant extraordinaire. Il est à moitié dévoré! Maudit dragon! Mervin, j'ai besoin d'un conseil diabolique. Comment pourrais-je m'emparer de Camelot? Mes espions viennent de me communiquer des informations diaboliquement délicieuses au sujet de l'avenir de Camelot. Mon nouveau réveil est une invention splendide. En lui ajoutant la sonnerie à retardement, j'ai fait preuve de génie. Flamèche, dépêche-toi, espèce de sac de crotte de dragon flemmard! Le roi Artifur t'attend! Je voudrais juste essayer la sonnerie à retardement encore une fois. Je descends dans 9 minutes. C'est bien! Je dirai au roi, notre souverain absolu, maître de tout ce qu'il contemple, que tu es trop occupé pour lui accorder un moment de ton temps précieux! Oh, ça va! Ne t'emballe pas! Dis au roi que j'arrive! Peut-être qu'il s'agit de ma demande de participation au tournoi de demain. Si je ne gagne pas, la princesse Flamme sera obligée d'épouser quelqu'un d'autre. Je n'irai nulle part sans lui. Un bon inventeur doit toujours avoir un cahier d'invention. Flamèche, en ce qui concerne le tournoi de demain, ma réponse est non. Bon sang, j'avais seulement
une heure de retard. Le tournoi n'est ouvert qu'aux chevaliers dragons. Tu n'es pas un chevalier. Tu n'es même pas un écuyer. Chevalier de la table carrée, votre attention, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence pour le roi. Silence, je vous prie. Le roi parle. Chut. Oh, désolé. Nous devons faire quelque chose, Flamèche. Je refuse d'épouser un de ces imbéciles. Je ferai de mon mieux, Flamme. Je te le promets. Tiens, des visiteurs. Des humains à Camelot ? Salut, roi Garniture ! Je suis vraiment peiné d'apprendre que vous avez enfin décidé de prendre votre retraite. Lorsque mon candidat à votre tournoi, le Dragon Noir, aura gagné et aura été couronné roi, il fera des sacs et des chaussures à talons avec votre peau. Quoi ? Les humains n'ont pas le droit de participer au tournoi. Le règlement de Camelot est bien clair là-dessus. Chancelier. Vous avez raison, en effet, sire. Le paragraphe 18 de la section 9 du chapitre 3 stipule que les humains ne peuvent prendre part à aucun tournoi. Sauf, bien sûr, si leur représentant est un dragon. Chancelier, je crois que vous faites erreur. Le paragraphe 18 de la section 9 du chapitre 3 ne fait-il pas référence à une loi obscure interdisant que l'on se cure le museau en public ? Oui, mais j'ai changé la loi par accident. Ceci est une affaire d'état délicate, roi Artifur. Je ne pense pas que la princesse soit intéressée par ces discussions. Très juste. Tais-toi, ma chérie. Continuez à vous disputer pendant que vous avez encore l'occasion. Demain, Camelot sera à moi. Partons, Mervin. Les humains, quoi ? Nous aurions dû faire griller ces petites bestioles roses dès qu'elles sont arrivées. Calmez-vous. Notre adversaire peut être vaincu. Votre mission est de recueillir des informations sur ce mystérieux dragon noir. Oui, sire. Père, Flamèche a besoin d'une mission. Oui, d'accord. Flamèche, je t'ordonne de laver toutes les assiettes entassées dans la cuisine royale. Ouah, super. Toyo, les gars, allons casser du dragon noir. C'est une expression bien française, vous savez. Bouge ! Idiot d'aveugle ! Charmant. Je vois que Sir Bec de Gaz s'est encore fait servir dans sa chambre. Il n'y a là plus d'autre invention. Juste un sonnet que je compose pour l'anniversaire de Flamme. Les tasses à thé du roi Artifur, sur un casier tournant, très pratique. Les bouilloires royales n'arrêtent pas de bouillir sur le fourneau, au cas où le roi voudrait noyer sa colère dans une tasse de thé. Des pinces à salade ? Elles doivent être rudement vieilles, ça fait des milliers d'années que les dragons n'ont pas mangé de salade. C'est une perte de temps. Celles-là sont au premier plan. C'est une perte de... Je parie que ce balai tient le plancher de la cuisine si propre qu'on pourrait manger dessus. On devrait l'utiliser sur les tables.
C'est mon cliqueur, ma toute première invention. J'avais gagné la deuxième place du concours de science cette année-là. Le premier prix, c'était la roue. Le frotteur tourne avec suffisamment de force pour nettoyer pratiquement n'importe quoi, même les plus sales écailles de queue. Il n'y a là rien d'autre que quelques inventions en cours, c'est un cahier neuf. Vous commencez avec un épi de maïs frais que vous devez faire sécher jusqu'à ce que les grains soient durs. Les grains de maïs séchés sont versés dans un récipient sous vide. Il doit être en métal afin de répartir la chaleur de façon équitable. Je dois faire attention. Un mouvement rotatoire trop important fera décoller ce truc et éjectera le pilote. Il n'y a là plus d'autre invention. Juste un sonnet que je compose pour l'anniversaire de Flamme. La vapeur d'une bouilloire fournit l'énergie nécessaire. Cette porte mène à la salle de la table carrée. Les tasses à thé du roi Artifur, sur un casier tournant, très pratique. Je n'ai rien à dire. Ce serait comme parler à un mur. Ce serait bête de le faire simplement tourner. Je ne voudrais surtout pas les toucher, mais elles font jaillir beaucoup de vapeur. Il pourrait servir au cas où je ferais des saletés, ou peut-être à quelque chose d'autre. Ce n'est pas seulement inapproprié, c'est idiot! Non, ça ne marchera pas. Il faut trouver un moyen de recueillir la vapeur. On dirait qu'il a été fait sur mesure. Si seulement je pouvais faire tourner cette chose! Flamèche, j'ai des nouvelles sensationnelles! Tu vas m'aider à faire la vaisselle? Non, si tu es chevalier, papa sera obligé de te laisser participer au tournoi. Pour devenir un chevalier, il te faudra d'abord trouver un chevalier qui veuille te prendre comme son écuyer. Et après? En tant qu'écuyer, tu peux aller à la grotte des dilemmes. Ressors-en vivant et tu seras chevalier. Bonne chance, bye bye. Ah ça, ça simplifie drôlement les choses. Ceci n'a pas l'air de marcher. 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 Ceci n'a pas l'air de marcher.
ce n'est pas en cliquant que je vais nettoyer cette vaisselle. Ce n'est pas en cliquant que je vais nettoyer cette vaisselle. Je vous demande pardon. Oui? Que puis-je faire pour toi? Que tricotez-vous? Oh! Mon petit garçon a encore pris 60 cm depuis la semaine dernière. Je n'arrive plus à le suivre. Et que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de votre aide. Je dois trouver les chevaliers de la table carrée. J'ai une carte à moitié enchantée. Elle t'indiquera où tu veux aller, même si tu ne sais pas que tu veux y aller. Je vous demande pardon. Oui? Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'une de ces... vous savez... Tu veux dire un de ces bidules que tu mets sur ton... Enfin, tu comprends? Exactement, mais sans le petit machin au bout. Ou bien tu veux une nouvelle corde pour ton arbalète, ou je devrais te coller une baffe. Dans les deux cas, je ne peux rien pour toi. Pourrais-je avoir des informations utiles? Si tu colles tous les bijoux de Camelot bout à bout, ils iront jusqu'à la lune. Mais tu risques d'avoir des problèmes pour les faire redescendre. Quel est le moyen le plus facile pour devenir un écuyer? Lèche les bottes d'un chevalier flamèche. Ce n'est pas très agréable, mais ça marche. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Flamèche, tu ne sortiras pas du château avant que cette vaisselle soit si propre qu'on puisse se voir dedans. Ah, oui, roi Artifur. Flamme a une vue superbe sur... ma chambre! Il va falloir que je mette des rideaux! Ce miroir est déformant! On dirait que j'ai de la bedaine! Ces draps sont à flamme et ce sont un héritage de famille! Je n'oserais pas les toucher sans autorisation! Voici le lit où repose chaque nuit le doux visage de la princesse Flamme. C'est une bouteille de lotion capillaire pour dragon, garantie de faire pousser les cheveux, même sur les crânes les plus têtus.
Non, je n'ai pas vraiment le temps de m'asseoir et de rêvasser. Non, je n'ai pas vraiment le temps de m'asseoir et de rêvasser. Je prends le Monarchie Magazine avec moi, au cas où j'aurais des insomnies. Je n'ai pas de problème de sinus, mais ce cure-pipe pourrait m'être utile. J'ai déjà des remords d'en avoir pris un. Un de plus, et je ne pourrai plus me regarder dans un miroir. Et si je ne peux plus me regarder dans un miroir, il va falloir que j'aille chez le barbier tous les matins pour me raser. Ce n'est pas l'heure de ramasser cela. Oh, c'est un grand honneur pour moi que de voir une de mes inventions dans la chambre du roi Artifur. C'est dommage qu'elle ne donne l'heure exacte que deux fois par jour. Le roi et la reine ont eu un mariage heureux pendant près d'un millier d'années. Et un mariage malheureux pendant plus de 4000 ans. Depuis ce balcon, le roi Artifur peut admirer le paysage majestueux de Camelot, qui est d'ailleurs prêté par la Compagnie des Paysages Majestueux. C'est la fontaine du roi Artifur. Ce tableau décrit les espèces en voie de disparition et protégées par la loi. Il n'en reste plus que deux et ils ne se parlent plus. S'ils ne se réconcilient pas très bientôt, l'espèce court tout droit à l'extinction. Les pauvres petites bêtes, ce sont de si charmants oiseaux, au goût tout à fait exquis. Malheureusement, ils sont aussi au goût des hérissons. Ils étaient très nombreux avant que les étourneaux ne contre-attaquent. Ils ont envoyé un médiateur, mais il s'est fait manger tout cru. C'est malheureux que nous soyons obligés d'avoir des lois pour protéger nos amis les animaux et les insectes. Je vous demande pardon? Vous aimez la salse pareille? Regardez sous botanique, dans l'allée numéro 4. Non, j'ai dit, vous êtes vraiment dur d'oreille. Ah, vous aimez mes boucles d'oreilles? Mon fils me les a offertes, il les a gagnées dans un concours.
Vous avez de nouveaux livres ? Je vous recommande « Feu au ventre, comment apprivoiser le dragon en vous ». C'est un must pour le dragon moderne. Un livre pour les dragons sensibles ? Oui, j'aimerais lire ça. Vous ne pouvez pas ! Sir Lancelot l'a découpé en tranches et l'a fait brûler. J'ai dû commander un autre exemplaire. Pouvez-vous me suggérer un livre ? Peut-être sur les écailles ? Lire dans la paille ? Oh, c'est le meilleur moyen de mettre le feu ! Si vous vous endormez, vrouf ! Je voudrais que vous m'aidiez à trouver un livre. Vous avez le titre ? Inventeur, et j'espère être chevalier avant-demain. Oh, c'était pas tant, mon grand ! Mais je vous ai demandé le titre du livre ! Vous n'auriez pas les grands vers de terre appelés Maurice à travers l'histoire par hasard ? Le voilà, un de nos plus populaires ouvrages. Ça existe ? Je veux dire, j'ai changé d'avis, mais merci quand même. Que puis-je faire pour vous ? Je vais juste prendre quelques livres et les feuilleter. N'oubliez pas de la faire cuire pendant 20 minutes. Minute, papillon! Personne n'entre là, à part moi! C'est mon petit papillon de nuit, Pavlov. Jusqu'à présent, je l'ai dressé à rester dans son bocal, même quand j'enlève le couvercle. Salut mon petit copain! Tu brûles d'impatience de montrer au gentil public comme tu es un gentil papillon de nuit bien élevé! Pavlov, où vas-tu? Tu donnes un très mauvais exemple au début du jeu! Méchant papillon, méchant! Je n'en ai pas besoin quand je suis éveillé. Je le laisse là où il est. Mauvaise idée. Quand je pique un somme dans la journée, j'ai tendance à baver un liquide moins visqueux. Ce sont les manuels de mon cours par correspondance. Comment devenir un inventeur célèbre ? Je ne les ai pas touchés depuis que le chapitre 15, Comment fabriquer de la superglue, m'a posé une colle. Je ne les ai pas Ça, c'est seulement pour dormir. Il n'est pas du tout l'heure d'aller se coucher.
Ça lui va comme un gant. C'est tellement bien ajusté que la vapeur ne s'échappe plus. Je ne veux vraiment pas fourrer le curpip là-dedans. Je ne veux vraiment pas fourrer le curpip là-dedans. Ce serait insulter la mémoire de Pavlov. Je ne dois mettre que quelque chose de précieux là-dedans. Ce serait insulter la mémoire de Pavlov. Ceci n'a pas l'air de marcher. Ceci n'a pas l'air de marcher. Un tuyau en caoutchouc amène la vapeur jusqu'au quasi-récepteur. J'adore rassembler des choses et faire une invention. Désormais, on parlera des éponges à vaisselle au passé. Et voilà, le lave-vaisselle automatique. Dis-moi, il te coûterait combien ce miracle qui fait gagner du temps? Ne réponds pas, parce que je suis libre de quitter le château. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bonjour, chancelier. Ceci est ma toute dernière invention. Le lave-vaisselle automatique. Je vois qu'il marche à la vapeur. Est-il puissant? Aussi puissant que 12 chevaliers. Fascinant. Je t'aiderai peut-être à trouver d'autres usages à ta machine plus tard. Excusez-moi, roi Artifur. Flamèche, laisse-moi. J'essaye de mettre au point une stratégie avant le retour de mes chevaliers. La carte est véritablement enchantée. Je peux voir où sont partis les quatre chevaliers. Sir Lancelot s'est perdu dans les bois. Il va me falloir attendre qu'il ait retrouvé son chemin. Oh, tu as vu l'heure? Le roi Artifur m'a envoyé en mission et cela fait des heures que je suis ici. Vilain garçon, va. Hé, beau gosse. Je ne peux pas contrôler mes sentiments d'amour brûlant. Il faut vraiment que j'y... Excusez-moi, Sir Brasier? Pas maintenant, maman. Ne vois-tu pas que je suis occupé? Tu l'as entendu, chérie. Va voir ailleurs si on y est. Ce serait comme parler à un mur. Chérie, 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 et tes yeux? Je ne vais pas gâcher ma salive à lui parler. Il te plaise? Non, ça ne sert à rien de discuter.
je t'ordonne de te rendre, sale humain. Je vous ordonne de vous rendre chez l'opticien royal. Pardonnez-moi, Sire Bec de Gaz. Hein ? Grand Dieu, un géant avec des pissenlits dans la bouche. Oh, c'est toi, Flamèche. C'est le roi Artifur qui est là-haut. Ton sens de l'humour est étrange. Il est très clair que ceci est Château Lugubre et ce gros point flou là-haut n'est autre que Sire Georges. Pourquoi refusez-vous de porter vos lunettes ? Sire Brunièvre porte bien les siennes au combat. L'estimez-vous moins pour autant ? Bien sûr que oui, mais il trouve toujours de grands mots pour se défendre. À plus tard, je vois que vous êtes trop occupé à attaquer le mauvais château. Descends ici tout de suite, misérable humain ! Tu vas monter ici et mettre tes lunettes en... C'est grossier et vulgaire de crier en public. Si je veux parler au roi, j'irai dans sa chambre. Descends ici tout de suite ! Ce serait comme parler à un mur. Tu vas monter ici et mettre tes lunettes en douille ! Je n'avais pas vu le roi si furieux depuis cette sale affaire de petits pois. Ce n'est pas le bon château, sire myope comme une taupe. Ne m'oblige pas à grimper là-haut, humain. Espèce de crêpe. Comment Sire Brunièvre a-t-il atterri ici ? Ceci est l'asile des fous endurcis, là où l'on soigne les personnages de livres d'histoire qui souffrent de dépression clinique. Excusez-moi, mais vos cheveux... Trop long, je sais ! Autrement, tu n'aurais jamais dit une chose pareille ! Calmez-vous, je vous prie, mademoiselle. Yablanovitch ! Rapunzel Yablanovitch ! Et comment veux-tu que je me calme avec tous ces cheveux longs ? Quels cheveux longs ? Tu ne peux pas imaginer ce que c'était ! À tous les coups, c'était « Rapunzel, penche la tête et jette tes cheveux par la fenêtre ! Rapunzel, jette un peu plus de cheveux ! Et je n'ai pas eu de cheveux ! Peu de temps après, je jetais mes cheveux aux quatre vents ! Ça me rendait folle ! » C'est exactement ce que je pensais. Folle ! Par bonheur, le docteur Freud est un homme qui n'a pas peur de s'occuper des problèmes. En fait, il s'est bien occupé de tout le monde ici. Il m'a vraiment aidé à y voir clair. Vous avez bien fait d'écarter les cheveux de vos yeux. Ça a dû certainement vous aider à y voir plus clair. Est-il normal que vous soyez dehors, toute seule ? Oui, bien sûr, je fais du jardinage ici. Je coupe les buissons, je coupe l'herbe, je coupe tout. Tu aurais dû voir ce haricot avant que je ne m'en sois occupée. Pourquoi êtes-vous si préoccupée par vos cheveux ? Mes cheveux ? Si je ne les coupais pas souvent, ils pousseraient jusqu'au sol et ensuite ils sortiraient par la porte. Mais nous sommes dehors. Est-ce qu'ils ne veulent pas pousser dans la porte ? Eh bien, puisque tu veux couper les cheveux en quatre, et puis arrête de m'embêter! Je dois me tenir prête avec ma tondeuse, au cas où ils essaieraient de repousser! Faites comme tout le monde! Ne faites pas attention à ce que je dis!
Ça pousse? Laisse-moi tranquille! Un peu plus de tonique et je pourrais faire rentrer mes franges dans mes chaussettes. Je ne vous en mettrai plus. Vous avez ma parole. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est ce shampoing tonique. Et si tu me donnais cette bouteille en échange contre ma tondeuse? Non, j'ai tendance à ramasser tout et n'importe quoi ces temps-ci. Bon, allez, d'accord. Ce serait insulter la mémoire de Pavlov. Je ne dois mettre que quelque chose... Excusez-moi, Rapunzel. La bouteille de tonique était vide. Écoute. Mademoiselle Yablanovitch? Madame Yablanovitch Poison! Tu as entendu parler du boucher, du boulanger et du marchand de chandeliers? Bien sûr. Lequel d'entre eux est votre mari? C'est le dentiste! Il bouche les trous quand l'un d'eux est malade! Je ne voudrais pas être casse-pied, mais... Mais c'est naturel chez toi! Tu as ma tondeuse à leur fil! Ce n'est pas que je veuille vous enquiquiner! Dernière nouvelle, tu m'enquiquines! Et maintenant, tire-toi! Ce n'est pas que je veuille vous enquiquiner! Dernière... Bon, vous croyez que votre mère est... Un dragon, Bossir! Je n'ai pas le temps de répondre à ces questions idiotes! Vous souffrez d'un complexe d'écailles classique. Allez, enlevez-moi ce costume ridicule. Ceci n'est pas un costume. Je suis un dragon et vous êtes un fraudeur. Oui, je suis le docteur Sigmund Freud, spécialiste des déséquilibrés, des paumés et des cinglés. Oh là, Sire Brunièvre est pris au piège. Excusez-moi, docteur Freud. Encore un autre? La folie se propage. Attendez que je termine avec cet autre cinglé. Psst! Sire Brunièvre! Vous permettez? Je suis en pleine séance avec mon malade! Excusez-moi. Oui, que puis-je faire pour toi? Lâchez-moi! Je serai... Vous n'avez pas froid? La nudité provoque le froid. D'habitude, je me couvre avec une feuille de nénuphar quand je suis enrhumé. Mais ce n'est pas très pratique maintenant. Si je peux me permettre, vous avez l'air plutôt humain pour une grenouille. Ça crève les yeux, n'est-ce pas? C'est la faute de cette princesse qui m'a embrassé l'été dernier. Une fille excentrique, mais de bonne famille. J'ai remarqué que vous mangiez des mouches. En effet, cher garçon, elles contiennent très peu de graisse et beaucoup de fibres. Et elles bourdonnent en descendant, ce qui excite la digestion. Je ne savais pas que les humains aimaient les mouches. Moi non plus. Quelle surprise! Les humains aiment manger la même chose que nous autres, les grenouilles. Ah! Vous êtes donc une grenouille? Plus ou moins. Quand? Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Si tu rencontres une princesse très affectueuse, mets-la sur mon chemin. Pas trop moche, si possible. Et pas trop de rouge à lèvres. Tu seras bien gentil. Quand j'ai appris à distinguer les couleurs. Désolé de vous déranger. Je vois que vous êtes en train de manger. Dites, vous avez là un joli pipeau. Hein? Oui! Pas le temps de discuter! Il faut que je joue! Pourrais-je sortir d'ici un jour? Il est donc important de jouer du pipeau. Mais pourquoi? Léa! Le seul moyen de les tenir au large, c'est de jouer! Si je m'arrête, ils viennent tous me faire la fête! C'est horrible! Mais je n'ai pas vu un seul rat des kilomètres à la ronde! Détrompe-toi! Ils sont partout! Partout! Ils sont tapis dans l'ombre, avec leurs yeux rouges et luisants! Et ils attendent! Ils attendent! Conformément à mon contrat, je dois vous relâcher le vendredi saint! C'est la clause de Pâques!
C'est une belle petite chansonnette. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle... Au large, tous ces horribles rats, si l'un d'eux de moi s'approche, j'ai bien peur que vif il m'écorche. C'est une composition originale. Je suis un dragon. C'est une flûte normale ou une flûte à bec que vous avez là? Ni l'un ni l'autre, c'est un pipeau. Je suis le joueur de pipeau, tu comprends? Ce n'est pas un complexe que vous avez, c'est un duplex. Nous parlerons plus tard. Je vois que vous êtes trop occupé à être fou. Attention aux rats! Ils sont tout autour! Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que vous étiez un dragon? Quand j'ai appris à distinguer les couleurs et que j'ai remarqué que j'étais vert. Sire Brunièvre s'est probablement aventuré ici et il est maintenant pris au piège. Je vous ordonne de me relâcher immédiatement. Un homme nu qui mange des mouches. Bon, comparé à ce que j'ai vu aujourd'hui, cela n'a rien de bizarre. Vous m'ordonnez? Remarque pour moi-même. Il est à bout de nerfs. Il risque de casser sa pipe à tout moment. Je vous ordonne de me relâcher immédiatement. Vous m'ordonnez? On dirait que le docteur Fraude perd ses patients. Pourrais-je sortir d'ici un jour? Conformément à... Il contient tout le discours du couronnement du roi Artifur. La moitié des sujets qu'il a entendus dort encore. Heureusement pour Rapunzel, elle ne s'est pas fait mal avec ça. Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que vous étiez un dragon? Les cheveux sont ce qu'il y a de plus résistant. Un seul cheveu peut supporter plusieurs fois son poids. Je suis un dragon et un chevalier. Ce n'est pas un complexe que vous avez, c'est un duplex. Aïe! Arrête ça! Les grenouilles ont l'ouïe très sensible. Aïe! Arrête ça! Les grenouilles ont l'ouïe très sensible. Ce n'est pas un complexe que vous avez, c'est un duplex. Je vous ordonne de me... Aïe! Arrête ça! Les grenouilles ont l'ouïe très sensible. Vous m'ordonnez? Remarque pour moi... Aïe! Je suis un dragon et un chevalier. Ce n'est pas un con... Ceci n'a pas l'air de marcher. 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 Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que vous étiez un dragon? Quand j'ai appris à distinguer les couleurs et que j'ai remarqué que j'étais vert. Essayez ça. Merci! Mon pipeau doit être bien propre pour tenir les rats au loin. Si la musique s'arrête, les rats viendront. Ils viendront! Quand vous êtes-vous rendu compte pour la première fois que vous étiez... Je ne veux vraiment pas fourrer le cure-pipe là-dedans. Quand j'ai appris à distinguer les... Je ne veux vraiment pas fourrer le cure-pipe là-dedans. Je ne veux vraiment pas... Essayez ça. Est-ce qu'il y a d'autres créatures mythiques pour... Ouf, merci. Mon pipeau doit être bien propre. Vous mettez ma patience à l'épreuve, humain. Je ne veux vraiment pas fourrer le cure-pipe là-dedans. Je ne veux... Vous m'ordonnez? Remarque pour moi-même. Souffre également de la folie des grandeurs. Ce serait insulter la... Lâchez-moi! Ce serait insulter la mémoire de Pavlov. Je ne dois mettre que quelques... Je serais fou! Ce serait un... Ce serait... Bon, vous avez raison, je suis un humain, vous m'avez guéri. Pourrais-je... Ce n'est pas le moment de faire cela. Conformément à mon contrat, je dois fourrer... Ce n'est pas le moment... Ce n'est pas...
ce n'est pas le moment. Lâchez-moi! Je serais fou de faire ça, et si je suis fou, il faudra que je m'envoie la facture à moi-même! Je vous ordonne de me relâcher! Docteur Fraud, il faut absolument que je vous parle. Ah, vous voulez me parler à tout prix, hein? Vous présentez des symptômes d'anxiété profonde envers des personnes jouant les rôles de père et ayant des liaisons flagomeuses. Excusez-moi? Vous êtes un casse-pied! Il faut que je vous parle, Docteur Fraud. Vous avez des anxiétés refoulées. Débouchez cette bouteille et mettez le bouchon dans votre bouche. On dirait que le docteur Fraud perd ses patients. On dirait que le docteur... Docteur... Attendez votre tour! Sire Brunièvre. Allez-vous-en! Le joueur de pipeau commence tout juste à se contrôler que j'ai déjà un dragon à traiter! Un seul à la fois! Bon, vous avez raison, je suis un humain, vous m'avez guéri. Ce n'est pas que je veuille vous enquiquiner. Dernière nouvelle, tu m'enquiquines. Des haricots magiques? Celui-ci a l'air bon. J'en ai plein le ventre. Et puis, ça me donne des... J'en ai plein le ventre. Et puis, ça me donne des gaz. J'en ai plein le ventre. Et puis... Sir Lancelot s'est perdu dans les bois. Il va me falloir attendre qu'il ait retrouvé son... Pinambour, la taupe royale, est en train de massacrer les rues de Camelot. Les sujets de Sa Majesté aiment cette statue, mais pas autant que les pigeons de Sa Majesté. Ces sales corbeaux sont de vrais charognards. Dès que le maïs pousse, ils nettoient le jardin. C'est le chef italien royal. Il fait une délicieuse double pizza au fromage et au rubis. Mais ce n'est pas le plus heureux des dragons. Excusez-moi, chef. Ma vie est si déprimante, c'est trop injuste. Oh, à quoi bon, ça ne vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que tu veux, Flamèche?
Je suis occupé à être déprimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui pourrait aller? Je n'ai pas ri depuis si longtemps. Tu sais, quand tu ris tellement fort que ton cœur, tu crois qu'il va exploser. Peut-être une anecdote amusante vous aiderait-elle? Qu'est-ce qui te prend? Je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin d'antidote. Mais vous auriez bien besoin d'un sourire sur vos lèvres. Excusez-moi, chef. Mais qu'est-ce que tu veux, Flamèche? Je suis occupé à être déprimé. Peut-être Trépied pourrait vous faire rire un peu. Mais tu es fou! Ces stupides dragons ne reconnaîtraient pas une blague, même si on la lui servait sous une grande pizza aux opales. Oh, je sais qu'il n'est pas très drôle. Drôle? Mais il sait pas ce que ça veut dire. Il me déprime encore plus. Excusez-moi, chef. Mac. Arrêtez de déprimer. Au moins, vous avez une jolie pelle. Bellissima! Elle est tout unique, irremplaçable. Alors je suppose que vous ne voudriez pas la vendre. Je viens de te le dire, elle est irremplaçable. Ça veut dire que je ne peux pas la remplacer. D'où vent? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Cette pelle et moi, on est très liés. Trouve-en une autre. Ceci n'a pas l'air de marcher. Non, c'est dangereux. Arrête, cela me rappelle Cocotte, ma pauvre perruche qui est morte. Je ne crois pas qu'il poussera là-dedans. Je ne crois pas qu'il poussera là-dedans. Encore plus de bazar à transporter? Ah non, merci! Pinambour, la taupe, est très occupée aujourd'hui. Pizza, tout est dit. Je ne connais pas un dragon qui ne sauterait pas sur une belle pâte à pizza toute chaude et fourrée aux pierres précieuses. Et laisser ces oiseaux donner des coups de bec sur ma main? Plus jamais! Elles sont très... Ceci n'a pas l'air de marcher. Ceci n'a pas l'air de marcher. Je suis sûr qu'ils seront utiles à quelque chose, mais pas pour le moment. Je suis sûr qu'ils seront utiles à... Salut là-haut! Comment ça va? Vous êtes du syndicat? J'entends rien là-haut! Oh, oh, je dessine! Ah, désolé, mais je ne suis pas du syndicat.
Pas grave, petit, c'est l'heure de ma pause de toute façon. Le syndicat des laveurs de panneaux nous donne droit à une pause toutes les 13 minutes. On a besoin de s'arrêter souvent quand on travaille sur des échasses, tu sais. Excusez-moi, êtes-vous toujours en pause? Tu parles, Charles? Je récupère du temps de pause que j'ai perdu pendant que j'étais cloué au lit avec la grippe enflammante le mois dernier. Vous pensez retourner travailler un jour? C'est déjà fait. Ceci est ce qu'on appelle de la gestion de projet. Je gère dur en ce moment, hein? Pas les pattes, petit! Si je peux pas grimper là-haut pour nettoyer ce panneau, je pourrais perdre mon boulot. Et je ne suis qu'à 2 ans d'une retraite confortable. Je suis sûr qu'ils seront utiles à quelque chose. Je ne crois pas qu'ils poussent. Ceci n'a pas... Il n'a pas l'air de vouloir retourner travailler. Vous pensez retourner travailler un jour? C'est déjà fait. La planification... Je ne vais pas gâcher ma salive à lui parler. Elles sont trop petites pour les attraper une par une. Ce serait insulter la mémoire de Pavlov. Je ne dois mettre que quelque chose de... Ce serait insulter la mémoire... Ah, c'est pas une bonne idée. Je casserai probablement quelque chose. C'est le terrain royal d'entraînement de tir à la chatapulte, où les chevaliers s'entraînent à envoyer des chats enragés sur les châteaux ennemis. C'est simple, utilisez la chatapulte pour faire tomber les silhouettes en bois des chevaliers de Sir George. Tout ce que j'ai à faire, c'est... Je l'ai eu, Edin. Mettez-moi un deuxième. Et voilà le troisième! J'en ai manqué un, mais je peux encore gagner. Et deux, quatre! J'arrive à la moitié. Cinq! Six! Il a filé la queue entre les jambes! Et deux, sept! La victoire est proche! Ça fait 8! Et voilà 9! J'ai réussi! J'ai gagné! J'ai gagné! Je suis le maître de la chatapulte! Oh,
Oh, le pauvre vieux, il est dans un sale état. Je ferais mieux de le garder avec moi. Une vulgaire représentation de la demeure de Sir George. Château lugubre, ce qui est déjà suffisamment vulgaire comme ça. Une vulgaire représentation de...